Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du prochain bull run. Oui, nous allons parler du projet Baby Doge. Arrivera-t-il à son ATH lors du prochain bull run? Si oui, quels sont les critères qu'elle doit remplir selon certaines analyses? Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans le quotidien de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Alors, pour être de temps en temps informé, n'oubliez pas, après vous avoir abonné, activer toutes les notifications ici. All, toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous présenter la plateforme BitGet, un échangeur centralisé. Vous savez, les échangeurs centralisés sont des échangeurs qui ont été faits pour acheter et vendre vos crypto-monnaies. Le lien serait en description de la vidéo. Le deuxième lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent avoir des avantages exclusifs, créez votre compte avec notre lien pour profiter de certains avantages. Comme je dis souvent, c'est un échangeur qui est à l'effigie de Lionel Messi, d'accord? Nous toujours le connaissons. Hey, le monsieur des messieurs, qui ne le connaît pas ici? Alors, il a gagné la Coupe du Monde, où il est. Alors, et BitGet nous offre des opportunités exclusives, d'accord? Ils listent des crypto-monnaies, ils font même des super airdrops, hein? Ils font des super airdrops qui distribuent aux membres de la communauté sur certains projets qui sont en train d'être listés. Regardez le nombre d'airdrops qu'ils ont déjà distribués. Regardez ici. Regardez ici. Ils se distribuent, mais tu dois remplir certaines informations importantes pour pouvoir, comme on le dit ici, il faut détenir le BGB pour obtenir l'aide gratuitement. C'est-à-dire que le BGB, c'est la monnaie même de l'échangeur BitGet. Donc, quand tu détiens cette monnaie-là, je crois une quantité X, à chaque fois qu'ils listent un projet et qu'ils veulent faire ce genre d'airdrop, toi qui détiens cette monnaie, tu le recevras gratuitement. Donc, pour créer votre compte, le lien en description, le deuxième lien en description de la vidéo, et faites aussi votre KYC. Faites votre KYC. Vous sachez, retenez très bien, les échangeurs sont faits pour acheter et vendre. Les gars, n'allez pas déposer toutes vos crypto-monnaies sur un seul échangeur, car aucun échangeur n'est sain dans cet écosystème. Donc, soyez très prudent. Donc, comme vous le savez très bien, et voilà, j'ai parlé de BitGet. Maintenant, on va commencer les choses proprement. On va parler du bourron, les gars. Vous savez, ce bourron qui arrive, c'est ça, c'est un bourron très violent. Je dis bien très violent. Violent même, oui. Alors, d'abord, nous, on connaît bien et l'auteur du livre Père Riche, Père Pauvre. Il nous dit toujours, se préparer au crash, les gars. Ce monsieur-là, moi j'ai admis beaucoup, hein, bon, je ne sais pas à ton point de vue, toi qui me regarde, il dit de nous préparer au crash qui arrive. Il y a un crash qui arrive. Et il dit simplement que ça va commencer par les États-Unis. Donc, il dit simplement de nous préparer, il faut acheter l'or, l'argent et le bitcoin. Nous sommes dans la crypto-monnaie. Bon, le bitcoin. Donc, si tu veux avancer dans cet écosystème de la crypto-monnaie, il faut avoir toujours un peu de bitcoin. C'est pourquoi on va attaquer directement cette information. Oui, cette information qui nous dit ceci. Les gars, Baby Doge va venir. Est-ce que Baby Doge est à son ATH? Mais on va d'abord parler du bourron qui serait très violent cette année. Oui, et dans cette violence, beaucoup vont s'appauvrir. Comme toujours, les gens ne comprennent pas quand on dit cela. Vous allez comprendre tout à l'heure. On dit ceci, on dit le bitcoin est en train d'avoir de gros supports, hein, selon certaines baleines, au niveau de 30 000 $. On va voir rapidement le prix du bitcoin. Oui, ici 30 000 $. Oui, effectivement, on voit que depuis un temps, le bitcoin reste dans l'impasse de 30 000 $. Elle ne veut pas sortir de 30 000 $. Même si elle peut sortir de 30 000 $, elle ne veut pas sortir, du moins pour le moment, parce que c'est tout à fait normal. En tout cas, ça, selon moi, tout à fait normal, parce que il y a beaucoup d'institutionnels qui commencent par s'intéresser au Bitcoin. Beaucoup d'institutionnels qui commencent par demander les ETF. C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, celle-ci-là, ETF Bitcoin, véritable plan de JP Morgan et de HSBC-là, s'il te plaît, regarde cette vidéo-là pour mieux comprendre le véritable plan de ces institutionnels, de ces grandes banques qui veulent rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, on nous dit simplement le Bitcoin est en train d'avoir une bonne résistance à 30 000 $. Les gars, elle peut chuter à tout moment, comme elle peut remonter à tout moment. Le Bitcoin est imprévisible, les gars.
Les crypto-monnaies sont vraiment imprévisibles. Surtout le Bitcoin. Et qui parle du Bitcoin parle de tout l'écosystème. Quand le Bitcoin bouge de façon agressive, alors on voit que les autres aussi, pas tous, bien sûr, certains bougent de façon aussi agressive. Quand le Bitcoin descend de façon lamentable, on voit que les autres aussi descendent plus lamentablement même que le Bitcoin qui est en train de descendre. Donc, c'est un écosystème qui a une fondation sur le Bitcoin. Alors donc, 30 000 $, on dit c'est, voilà, c'est le point, mais elle se prépare pour quoi? Pour une montée forte ou pour une descente forte. Tout est possible en crypto-monnaie. C'est pourquoi vous allez voir ce matin, et ceux qui sont dans, sur notre Twitter ou sur notre page Facebook ou sur Instagram ou voilà, sur YouTube, partie communauté, hein, vous allez voir ce message. Oui, vous allez voir ce message. On dit le bourron, le prochain bourron finira avant de commencer. Non, les gens n'ont pas compris ça. Et quand je lis les commentaires, ça me fait rire. Et quelqu'un dit, comment ça? Ce bourron a pris l'avion supersonique. Quelqu'un dit, comment? Et quelqu'un dit, arrête de nous faire peur. C'est ce commentaire qui a attiré mon attention. Vous savez, psychologiquement, ce monsieur n'est pas encore prêt. Mon frère, si c'est toi qui as écrit ça, il faut te dire en crypto-monnaie là, hein, la peur fait partie de ton quotidien. La peur là, c'est, ça doit être le manger de tous les jours. Si tu es en crypto-monnaie, psychologiquement, tu ne t'es pas préparé. Et que toi, tu penses que les crypto-monnaies sont venues pour te rendre riche, détrompe-toi. La technologie est venue nous donner l'autonomie. La technologie... En fait, les gens mélangent beaucoup de choses. Malheureusement, c'est ce que moi j'ai remarqué. Les crypto-monnaies, la spéculation va rendre riches, hein, ceux qui ont une bonne stratégie. Mon frère, toi qui as dit arrête de nous faire peur, on va devenir riche, on va devenir riche pion. Oui, tu peux devenir riche pion si tu as une bonne stratégie d'entrée et de sortie. Si tu as une psychologie prête à toute éventualité en crypto-monnaie. Et si tu sais comment fonctionne cet écosystème. Alors, c'est ces facteurs-là qui t'aideront à tirer ton épingle du jeu, à devenir riche. Mais vous pensez que les institutionnels, c'est pourquoi je dis, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo où on parle du véritable plan des institutionnels, vous allez penser que les institutionnels vont rentrer pour nous enrichir. Les gars, ils rentrent... Non, mais franchement... Non, personne n'est un enfant ici qui a tellement d'argent à donner aux pauvres. Quel riche est tellement riche pour rendre le pauvre riche? Les gars, sont réalistes. Les institutionnels, tu ne veux pas dire ça ici. Les membres VIP, ceux qui ont acheté notre cours et sont dans le groupe VIP, je pense que vous vous comprenez déjà mieux que les autres qui ne sont pas dans ce groupe-là. Parce qu'on en fait des chat-voices pour parler du prochain bourron qui serait violent. Quand on dit que le bourron finira avant de commencer, ça veut dire simplement que quoi? Il y a certaines personnes qui vont voir devant eux le bourron passer, hein, le marché aussi est passé, mais nous ne saurons pas que c'est le marché aussi. Ils vont se dire non, ça n'a pas encore commencé. Et on leur dira c'est fini comme ça. Ils disent oh, ça a commencé quand? C'est ça, je dis en crypto-monnaie là. Vous ne... C'est un monde sans pitié, les gars. Le monde de la crypto-monnaie est sans pitié. Si tu penses que tu vas devenir riche, milliardaire, millionnaire en crypto-monnaie sans te former, tu te trompes, je te jure. Si tu penses que tu vas devenir riche en crypto-monnaie en faisant juste achat et vendre des crypto-monnaies, tu te trompes. Les gars, il y a ce qu'on appelle l'illusion du gain et l'illusion de la perte en crypto-monnaie. Les gars, tout cela, c'est psychologique. Il faut que tu sois bien préparé psychologiquement, mentalement pour faire face à ce genre de situation qui sont monnaie courante dans notre écosystème. Rappelez-vous lors du prochain, le bourron précédent, 2021-2020, je ne sais même pas. Combien de personnes sont rentrées acheter des crypto-monnaies et aujourd'hui sont prisonniers dans ces crypto-monnaies-là? Rappelez-vous du marché haussier précédent. Combien de personnes sont rentrées et aujourd'hui se sont appauvries parce qu'ils pensaient que ça allait continuer jusqu'à 100 000 $ et le Bitcoin est revenu à combien? À 15 000 $. De 110 000 à 15 000. Imagine les altcoins. C'est pourquoi on dit, les gars, mon frère, ça ne sert à rien. J'ai dit, ça ne sert à rien que tu sois dans cet écosystème de la crypto-monnaie, que tu n'as pas l'expérience, que tu n'as pas la formation, tu n'as pas la stratégie nécessaire. Si tu veux tout cela, là, le premier lien en dessous de la vidéo, clique sur ce lien et tu auras accès à notre cours. Hein? Juste, tu remplis le formulaire, tu paies 80 $, tu auras accès à notre cours. Alors, on revient encore rapidement ici.
Les gars, et cette information-là, oui, on nous parle de FTX ici. On nous parle de FTX qui a réussi à récupérer près 7 milliards sur, je crois, 8 milliards, etc. En résumé, pour ceux qui semblent avoir perdu leur argent sur FTX version 1.0, la version 2.0 viendra peut-être payer, ce qui a été perdu. Semblerait-il, j'ai dit bien, semblerait-il. Ça reste toujours des rumeurs. Peut-être ici, ils sont en train de confirmer cela, que voilà, FT va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Mais ils ont pris l'argent là où? Et pourquoi ils n'ont pas voulu payer au début? Ou est-ce qu'ils ont pris l'argent pour payer maintenant les clients? De toute façon, le plus important, c'est que FTX revienne et paye les clients, les gens qui se sont fait léser, biaiser par cette plateforme. Et ça va retirer, ça va réanimer la confiance dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, ici, une autre information. On va parler rapidement on va commencer de Baby Doge, hein? Rapidement de Baby Doge. Mais on va faire la première partie ici et la deuxième partie va suivre juste après. Les gars, Baby Doge va-t-il arriver à son ATH? Là, je ne saurais vous le dire. Mais cela pourrait être très fort et possible si et seulement si l'équipe de Baby Doge se décide à faire certaines choses. Mais il faut apprécier l'appréciable. Non, franchement, les gars, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais l'équipe de Baby Doge, au-delà même voilà, au-delà même de l'aspect mémé coin qu'elle a, hein, les gars, il faut apprendre aussi à faire la différence entre shitcoin et mémé coin. C'est deux choses bien différentes. Apprenez à faire la différence. Nous voyons que Baby Doge a été lancé, ici, je crois que c'est en 2021, lors du bull run précédent. Que Baby Doge a été lancé et Baby Doge a eu beaucoup d'avantages. Elle a eu beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients. Nous allons parler de cela dans cette vidéo. Mais avant de continuer sur Baby Doge, je tiens à vous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle une banque inter. Banco Inter. C'est une banque ici sur le territoire brésilien. Une banque digitale comme Nubank qui a décidé de commencer par offrir la vente et l'achat des crypto-monnaies à ses clients comme le fait déjà Nubank. Et Mercado Pago. Vous voyez déjà ici, les banques digitales sont en train d'offrir les services crypto à leurs clients pour que leurs clients ne puissent plus sortir. Parce que moi, j'utilise la banque Nubank. Cette banque, je l'utilise. Je l'utilise. Et ils envoient souvent des articles, sur les crypto-monnaies, motivant les 22 millions d'utilisateurs, à acheter les crypto-monnaies et à vendre les crypto-monnaies. Mais le problème, c'est que les crypto-monnaies que tu achètes dans les banques digitales, c'est un peu comme des crypto-monnaies custodiales. Gardez. Tu ne peux pas retirer ça, envoyer sur Binance, sur Trust Wallet, non. Tu achètes ça, tu peux vendre ça là-bas aussi, quoi. Tu peux faire le trading dans ton compte bancaire. Donc, il y a aussi une autre banque, une troisième ou quatrième banque qui, aujourd'hui, a lancé la vente et l'achat des crypto-monnaies à tous ses clients. Elle a 22 millions de clients. 22 millions de clients. Elle a 22 millions de clients. Donc, 26 millions de clients. Donc, 26 millions de clients encore sur le territoire brésilien pourront acheter du Bitcoin, Ethereum, le USDT, le Litecoin et le Ripple. Qui parle de Ripple? Revenons encore sur cette information, les gars. C'est chaud. Je dis, le bourron va. Ça va chauffer. Ça va chauffer gravement mal, même. Mais dans ce chauffage-là, il y a certains qui vont se griller et certains qui seront tranquilles. Toi, tu es dans quel camp? Alors, nous sommes en train de voir, on nous dit, les baleines sont en train de venir déjà dans le Ripple. Selon certaines informations, nous sommes en train de voir que le Ripple est en train d'avoir des mouvements un peu bizarres. Très bizarres. Oui, dans cette bizarrerie de Ripple, on nous dit simplement que les baleines sont en train de se préparer. Donc, ceux qui croient, tant mieux. Ceux qui ne pouvaient pas croire, tant mieux. Que chacun fasse ses analyses pour mieux comprendre ce qui pourrait arriver et ce qui pourrait en découler de ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Alors donc, parlant du bourron, oui, parlant de Baby Doge, je reviens encore sur Baby Doge ici. Les gars, vous savez, Baby Doge a eu la chance une fois, j'ai dit bien, Baby Doge a eu la chance une fois, que Elon Musk a tweeté le compte de Baby Doge une fois, je crois bien. Bah, pas le compte, mais il a écrit Baby Doge. Et donc, ce qui a donné l'engouement en ce sens-là à Baby Doge. Ça, ce n'est pas encore un problème. Donc, mais que pourra-t-il arriver si... Qu'est-ce qui pourrait arriver pour que Baby Doge arrive à son ATH? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se préparent au prochain bourron en faisant quoi? En achetant beaucoup de Baby Doge, en se disant ça va brûler des zéros. Les gars, arrêtez de penser ainsi. Sincèrement. Arrêtez. C'est-à-dire que je ne sais pas comment dire cela. Arrêtez de penser ainsi que, non, que ça va brûler des zéros et vous allez devenir riche milliardaire. Non. Ça peut être le cas.
Mais, bon, je ne vais pas donner mon point de vue pour frustrer beaucoup de personnes. Je préfère me retenir au maximum que possible. Parce que plusieurs personnes seront frustrées. Et je continue ma vidéo lentement et sûrement. Nous sommes en train de voir que une fois Elon Musk a parlé de Baby Doll. D'accord? Elon Musk a une fois parlé de Baby Doll ici, dans ce tweet. Il dit Baby Doll. Donc, Baby Doll pourra arriver à son ATH si et seulement si Elon Musk fait encore un tweet parlant de Baby Doll. Ça, c'est une condition. Ça, c'est l'une des conditions. Elon Musk a bel et bien parlé de Baby Doll une fois. Donc, si Elon Musk commence par parler de Baby Doll, voilà ici. Je crois bien c'était en 2021. Donc, Baby Doll, Baby Doll, Baby Doll. Voilà. Donc, ça veut dire que bon, ça pourrait peut-être, si Elon Musk commence par le faire ici, ça pourrait propulser Baby Doll. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Deuxième point qui pourra peut-être propulsionner Baby Doll, ce n'est pas des garanties, c'est juste des suppositions. Baby Doll aujourd'hui a son swapper. Baby Doll a un écosystème déjà prêt. On voit que Baby Doll a déjà un écosystème déjà prêt. Ils ont leur charity, ils ont leur swapper, ils ont des NFT, ils ont. Baby Doll est en train de sortir de l'aspect meme coin et offrir l'utilité de sa monnaie à son public. Mais le problème de Baby Doll, c'est quoi? Et ce qui restera toujours le gros problème, le gros facteur, c'est son Total Supply. Baby Doll a franchement d'énormes pièces créées. Et aujourd'hui, elle est en train de faire du burn. Mais ce burn-là se fait plus dans la blockchain Ethereum pour attirer les baleines afin de venir, hein, caresser Baby Doll comme ils sont en train de caresser d'autres mémé coins. Mais malheureusement, ces baleines-là ne sont même pas intéressées, du moins pour le moment. Ça, c'est un aspect que j'ai dit. Si Baby Doll n'a pas de grands investisseurs, il faut le connaître. C'est le deuxième aspect. Si Baby Doll a de grands investisseurs comme la Pépé, Pépé qui n'a rien à comparer à Baby Doll, il faut le connaître. Baby Doll a beaucoup plus d'innovation que Pépé. Il faut reconnaître ça, du moins pour le moment. Pour le moment. Et nous voyons aussi une fois de plus que Baby Doll pourra-t-il arriver encore à son ATH? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais elle est très loin de son ATH, les gars. Non, Baby Doll est très, 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 très loin de son ATH. Très loin même de son ATH. Donc, cela veut dire simplement que cela pourrait arriver. Peut-être aussi, si et seulement si. Une condition, trop de conditions. C'est seulement si les échangeurs qui ont listé Pépé listent Baby Doge, Binance, Kraken et tous ces échangeurs-là, top, je ne sais même pas combien, listent Baby Doge. Alors vous allez voir que Baby Doge va percer grave mal. Donc, Baby Doll pourra-t-elle avoir son ATH? Peut-être que oui, mais peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Certaines personnes pensent que le bourreau dans lequel nous allons rentrer, où nous sommes déjà en train de rentrer, où certains ne voient même pas, peut-être, ou peut-être. Moi, je n'ai pas la boule. Tout ce que moi je sais, c'est que le bourreau va passer, certaines personnes vont avoir les yeux clairs, ils ne vont pas comprendre ce qui s'est passé. Donc, si tu veux te préparer pour le bourreau réellement, mon frère, remplis ce formulaire-là, ce formulaire qui est juste en description de la vidéo, le premier lien. Lien du inscription pour le cours en ligne. Quand tu vas remplir cela, fais un sacrifice, paie 80 $ et tu vas voir que tu ne vas pas le regretter de toute ta vie. Oui, tu ne vas pas le regretter. Parce que, comme vous le savez très bien, le bourreau va arriver, ou bien le bourreau va passer. Certains ne sauront même pas qu'ils étaient dans le bourreau. Certains vont s'appauvrir. Parce que le bourreau, qu'est-ce qui se passe? Le marché haussier attire de nouveaux investisseurs, des investisseurs mal expérimentés, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont même pas le béaba de dans quoi ils sont en train d'investir. Ils vont toujours investir, pensant que ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et en réalité, plus ils investissent, plus ils investissent, plus ça ne fait que descendre, 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 descendre. Et psychologiquement, on leur dit que c'est fini le bourron. Et c'est fini, ils sont restés prisonniers dans cette monnaie. Et ils ne sauront pas quoi faire. Mon frère, si tu veux te préparer réellement et franchement, manger vivant. Parce qu'il y a certains qui vont voir le bourron passer, ils ne vont même pas manger. Ils seront mangés. C'est pourquoi je dis, il faut vous former. Pour ceux qui ne veulent pas se former, tant pis, vous aurez jusque vos yeux pour pleurer. Ceux qui veulent devenir riches, ils vont devenir riches pian, c'est devenir pauvre pian, ce que vous allez voir. Si vous n'avez pas de bonnes stratégies, vous êtes formé psychologiquement face à ce marché qui est sans pitié, les gars. Les gens pensent que ce marché des crypto-monnaies est venu pour les rendre riches. D'abord, le marché des crypto-monnaies est venu pour donner l'adoption, la facilité à tout le monde, mais elle n'est pas venue pour rendre tout le monde riche. Elle est venue pour rendre riche uniquement ceux qui veulent se former
qui appuie sur ce lien ou d'autres formations et aussi ceux qui se préparent psychologiquement. Donc, Baby Doll pourra arriver à son ATH, mais avec beaucoup de difficultés. À la prochaine vidéo et ciao.